Vidéo le journaliste, victime le 7 janvier 2015 de l'attentat contre Charlie Hebdo, a raconté le calvaire de sa reconstruction physique et mentale, dans un livre qui est déjà un grand succès de librairie. En mai, il racontait son expérience au Figaro. Le jury du prix Femina a désigné Philippe Lançon lauréat 2018 pour son livre Le Lambeau. Quatre autres auteurs étaient en lice, David Guillaume avec Frère d'âme, Seuil, Gilles Martin Chauffier pour L'ère des suspects, Grasset, Diane Masloum avec L'âge d'or, Jésus-Christ la tête, et Pierre Note pour Quitter, Le rang des assassins, Gallimard. Le Femina étranger a été attribué à la 9e heure d'Alice M.C. Dermot, Kay Voltaire. Et le Femina essai à Gaspard de la nuit d'Elisabeth de Fontenay, Stock. Je n'ai simplement pas éprouvé de colère. Le journaliste Philippe Lançon, qui s'est confié dans un entretien au Figaro le 11 mai, était présent le 7 janvier 2015 lors de la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Il était là quand les terroristes sont entrés dans la salle, et ont fauché 12 vies. Il lui a survécu, mais sa mâchoire a été détruite par les balles. Dans son livre Le Lambeau, il raconte le calvaire de sa reconstruction longue et douloureuse, que ce soit physiquement ou mentalement. Son ouvrage est aussi en lice pour le prix Renaudot. Un livre, on l'écrit tout seul, avec un plaisir difficile, et j'avais suffisamment de problèmes à surmonter, pour écrire le mien sans me préoccuper de savoir comment, un jour, il serait reçu. Indiqua-t-il, refusant de penser aux récompenses que son ouvrage peut recevoir. Je ne suis ni sondeur, ni sociologue, ni politicien. Et en plus je suis assez pessimiste. Aujourd'hui, je me dis simplement ceci, cet événement, croisant et révélant la vie d'un homme qui en a été victime, et qui le raconte de cette façon-là, intime et sans tricherie, a touché plus de lecteurs que je ne pouvais l'imaginer. Fermez les guillemets. Pour Philippe Lançon. Le Lambeau n'a pas été son moyen de survivre. La survie a eu lieu avant, à l'hôpital, au jour le jour, d'opérations en séance de rééducation, et aussi bien sûr en famille, et avec les amis. Je n'ai commencé à écrire Le Lambeau que quand la vie me semblait à peu près assurée, raconte-t-il. L'esprit critique ouvrait les parenthèses. Et bien vivant. Philippe Lançon explique avoir voulu être le plus honnête possible, au risque de donner des détails qui peuvent choquer son lectorat.